est en route vers Boston, Massachusetts, pour rencontrer Noam Chomsky, le grand intellectuel Noam Chomsky. Ok, where do you want me? Kill today. The system in the democratic societies is very effective. It instills the party. Dans les sociétés démocratiques, la ligne, elle est comme l'air qu'on respire. Elle est sous-entendue, elle est sous-tendue, et donne du coup l'impression à tous les gens qu'il y a un débat très vigoureux. C'est très efficace comme système, et ça marche beaucoup mieux que dans les systèmes totalitaires. Vous vous sentez libre ou pas ? Totalement. Oui, moi je me sens libre, bien sûr. 100% ? Ah oui, bien sûr. Je ne me sens freiné que par les barrières que je pourrais mettre moi dans ma tête. On accorde dans nos sociétés une immense importance à cette liberté sous domination. C'est comme ça qu'on aurait envie de l'appeler. Alors les gens peuvent... La liberté, c'est de faire tout ce que permet la longueur de la corde. Tu vois? Mais il est important que la longueur de la corde soit bien fixée. Tu vois? L'expression autodéfense intellectuelle, c'est une expression de Chomsky. Alors Chomsky dit, si on avait un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle, fort bien. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Que comprendrait un tel cours? Et je me suis amusé à essayer d'en écrire un. Qu'est-ce que les gens vont trouver chez Chomsky? Bien, je pense une façon de démystifier le discours du pouvoir essentiellement et aussi de voir, d'avoir une certaine perspective, un certain espoir dans l'avenir, comme il dit. C'est vrai qu'il y a une opposition populaire massive et ça partout autour du monde. Social progress is a little bit like mountain climbing. Le progrès social, c'est un peu comme l'escalade des montagnes.